Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un message à faire passer et mon visage est très sérieux parce que l'heure est grave. J'ai décidé de vous présenter la symbolique du balai. Le balai, c'est un ensemble de brindilles fixés ensemble. Je ne vous apprends rien. Vous connaissez le balai. Une brindille toute seule a beau être la plus grosse, a beau être la plus solide, a beau être la plus ferme, toute seule, on est capable de la casser. Un balai ensemble de brindilles on a beau le tordre dans tous les sens on n'est pas capable de le casser vous voyez la symbolique en Côte d'Ivoire nous avons présenté au monde que nous étions une brindille. Nous n'étions pas un balai. Voilà pourquoi la rébellion a réussi à faire ça de la Côte d'Ivoire. Je prêche peut-être dans le désert, mais ce n'est pas parce que on a l'impression que rien ne se passe qu'on va se taire. Il faut parler. Il faut dénoncer. Il faut attirer l'attention des uns et des autres sur une situation. L'heure est vraiment grave pour nous. Nous avons reçu nos indépendances. J'insiste, je pèse mes mots et je l'ai bien choisi. Nous avons reçu l'indépendance. Nous ne l'avons pas arrachée. On nous a offert l'indépendance sur un plateau d'argent. Et depuis ce temps-là, nous sommes comme ça. Aujourd'hui, combien d'années plus tard, plus de 50 ans plus tard, la France peut se pavaner dans nos ruelles. La France peut aller en maître, en propriétaire terrien, en maître absolu, en territoire conquis, exploiter nos mines, comme ça se passe actuellement au nord du Mali. Tout l'or est en train de partir et nous le savons. Nous le dénonçons peut-être sur Facebook. Nous partageons les vidéos, nous partageons les photos. Mais rien ne change. Parce que, en tant qu'Africains, nous sommes des brindilles individuelles. Et la France le sait. Les États-Unis le savent. L'Angleterre, le Royaume-Uni, tous ceux-là, ils savent que nous sommes des brindilles. Voilà pourquoi ils réussissent. On peut se développer individuellement, mais c'est ensemble qu'on est fort. Homme noir, femme africaine, femme africaine, homme africain. Cesse de baisser la tête, cesse de courber l'échine. Tu as de la valeur. Tu as la même valeur que le diamant. Alors lève-toi. Que vas-tu laisser à tes enfants? Nous allons commettre les mêmes erreurs que nos pères ont commis, ont commises. Réveillons-nous. Devenons un balai. Ça presse. Moi, j'ai 40 ans passés. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Oui, c'est bien beau de parler. Mais si 1, 2, 3, 50 millions de personnes parlent, ça va faire quelque chose. Et arrêtons d'aller en rang dispersé. Je suis marocain, je suis camerounais, je suis sénégalais, je suis gambien. Voilà à quoi ça nous conduit. La France pourra toujours aller au Mali exploiter son sous-sol tant qu'on sera comme ça, individuel. Individuel.
On se frappe la poitrine. Oui, je suis ivoirienne. Oui, je suis fière d'être ivoirienne. Mais je suis africaine. Je suis africaine. Et mon africanité, je l'assume. Et j'en suis fière. Mais ça doit aller au-delà des proclamations. Ça doit aller au-delà des proclamations. Nous sommes en 2017. Et nous sommes encore avec les armes. Nous avons encore les armes comme moyen d'expression. Nous sommes le marché des vendeurs d'armes. Et pourtant, nous avons des PhD. Nous fréquentons les universités les plus prestigieuses de la planète. Nous sommes dispersés à travers le monde. Et pourtant, sur notre continent, on utilise encore les armes pour s'exprimer. Moi, je n'en suis pas fière. Je répète encore que peut-être que je prêche dans le désert, mais je pense que ça vaut le coup de parler et de sensibiliser. Arrêtons d'être des brindilles. Devenons des balais. Individuellement dans nos pays, soyons des balais. Parce que je répète, en Côte d'Ivoire, si on était un balai, la rébellion n'aurait pas prospéré. Tous ceux qui se frappent la poitrine aujourd'hui, qui sont fiers là, ils n'auraient même pas eu droit de cité. Ils n'auraient même pas eu d'abord l'idée, parce qu'ils auraient su que ce n'est pas possible. Les prédateurs nous guettent parce que nous ne sommes pas des balais. Devenons des balais, s'il vous plaît. Individuellement, dans nos pays, devenons des balais. Quand je dis individuellement, je veux dire le Cameroun, le Sénégal, la Gambie, le Gabon. Les Gabonais doivent être des balais d'abord. Ensuite, les Africains doivent ensemble. Chaque pays africain doit être représenté par une brindille dans ce balai-là. Pour que les gens arrêtent de nous considérer comme des moins que rien. Mais il faut que nous-mêmes nous arrêtions de nous considérer comme des moins que rien. On nous a brisés, on a frappé sur la tête de nos ancêtres. Nous aussi, on va laisser les gens continuer à frapper sur nos têtes? Non. Nous sommes dans les pays des Blancs. Nous voyons comment ils sont développés. Soyons jaloux de ça. Et puis soyons solidaires, parce qu'eux, ils sont solidaires. Vous n'allez pas voir l'Angleterre traduire le président français au tribunal pénal international. Il ne fera pas ça. Mais il n'y a que chez nous que ça se passe. Réveillons-nous. Ressaisissons-nous. Nous ne sommes pas maudits. Nous avons les mêmes neurones. Nous sommes constitués exactement comme les autres. Pourquoi on pense qu'on n'est pas capable de faire ce qu'ils ont fait? Réveille-toi, homme africain. Réveille-toi, homme noir. Réveille-toi. Et ensemble, devenons un balai. Ça urge. Ça presse. Je vous remercie. Moi, je suis africaine. Je suis ivoirienne. Je mâche la tête haute.